L'activiste zimbabwéen Job Sikala va sortir de prison après 19 mois passés derrière les barreaux. Il a été reconnu coupable d'incitation à la violence publique et condamné la semaine dernière à 2 ans de prison avec sursis. Monsieur Sikala était poursuivi dans cette affaire avec un député de l'opposition, Godfrey Sithole, mais c'est désormais un homme libre, a déclaré son avocat à la sortie de l'audience au tribunal d'Harare. L'un des principaux opposants du pays devrait être libéré ce mercredi. Job Sikala est un député et une figure du principal parti d'opposition, la Coalition des citoyens pour le changement au Zimbabwe. Il a été arrêté plus d'une soixantaine de fois en 20 ans. À l'annonce de sa libération, des dizaines de soutiens ont chanté et levé le poing en signe de victoire sur les marches du tribunal.